Ouais, j'ai 2 minutes pour trouver les deux derniers individus malades. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as d'intéressant? Oh, le bug. Je viens de gagner 800 pour rien. Ok. Bon, on a sauvé au moins une planète. Contre, résultat, cette planète est redevenue une T0, c'est ça? Ouais, bon bah tant pis. Tant pis, elle produira rien, cette planète, c'est tout. C'est mal, ça c'est les planètes que j'ai colonisées ça. Plus de place pour les épices. Ok. Voilà. T'es mec. Bon, j'ai 4000. Enfin, j'ai 4 millions. Je devrais pouvoir racheter un système solaire avec ça.
Je vais quand même attendre de monter jusqu'à 5 000. Donc j'ai encore augmenté d'un échelon, mais j'ai pas ce qu'il me faut encore. Bon, donc ça c'est la solution, c'est vraiment collecter les épices. Tiens. Ça. C'est bizarre, j'ai une tête rouge qui est apparue. C'est l'épice rose, ça vaudrait le coup, mais. Ça vaut le coup. Lui, il vaut vraiment le coup. Ok, ben je vais y aller. Parce que de toute façon, j'ai presque plus de vie. J'ai vu que je suis à sec en énergie et donc en vie. Donc. Ok. Félicitations, vos talents de diplomatie ont permis de bâtir une alliance solide qui vous permet de racheter leur système solaire à un prix intéressant. Donc, 3 millions, ça suffit. Pour se racheter un système solaire. Et bon, on va s'occuper de cette colonie-là, là. Il y en a deux. C'est nickel, ça. C'est pas mal. Et c'est du rose, en plus. Le rose, sur certaines colonies, ça se vend relativement cher. Et cette planète est une T2. On s'en contentera. Qui veut dire qu'elle est développée à fond, je suppose, mais on peut peut-être l'optimiser. Oh, elle est bien optimisée là. C'est bon. Elle a pareil. Elle est au max. Ok, très bien. Ok, on a racheté un système solaire. C'est cool. Pour 3 millions quand même, hein. Donc il faut 3 millions pour acheter un système solaire. Qu'est-ce qu'on a dans la soute? On a de l'épice. Ouais. Cette épice-là, est-ce que je peux la vendre? Oh, je vais certainement pouvoir la vendre ici. Donc je rachète pas encore le système solaire. Intéressant.
Bon, ce qui veut dire qu'on peut quand même renouer un système, enfin racheter encore un système. On va racheter celui-là. Celui-là qui est tout près de chez nous. On va... On va voir pour ouvrir une négociation avec eux. Bon, tant pis, hein. De toute façon, j'ai l'impression que cette épice-là, elle se vend pas. Elle se vend vraiment pas cher. Entre les empires, ce partenariat est une première étape pour le rachat de système. J'aime vraiment ce système, franchement. Alors, juste... Ouais, alors, on va juste essayer d'aller conquérir ça. Tant pis, on va rentrer en guerre. En plus, ils sont apparemment pas contents. Ouais, ils nous attaquent, ok, d'accord. Donc... Pas mal ça. Hein. Ok, d'accord. Allez, et donc là on a un T3 sur du orange, ouais. Ok. Alors là par contre, oula, par contre on a tout le monde à dos. Donc bon, eux, on va aller les revoir. Déjà, on va racheter leur amitié. Ça commence à coûter cher. Ça commence vraiment à coûter cher. Et eux, est-ce qu'ils vont nous pardonner? Et on va faire ça, on va faire ça comme ça. Ça va nous coûter cher, mais on va le faire. En gros, on vend 400, on rachète 400 000 les... Oula! Ouais, par contre, résultat, mon pognon s'en est pris une sacrée claque. Bon. Et donc eux, leur colonie là, ça donne quoi? Ça donne quoi ça? Non, le planétaire. D'accord, ici il n'y a quasiment rien quoi. Bon, bah, on a gagné une colonie de plus, qui rapporte pas mal. C'est ça quoi, c'est qui casque, mais, enfin c'est qu'on casque avec eux, mais bon. Pourquoi je pars si loin? C'est eux que je voulais. Allez. Ah oui, bon, c'est l'épice orange. Bon, c'est pas ce qui nous rapporte le plus, hein. C'est vraiment efficace cette manière de conquérir des planètes. Ah, enfin ça se vend quelque part. Bon, il faut qu'on retourne à 3 millions de pognon.
Moi, ce serait faire une colonie quelque part, je pense. Ouais, on va se racheter deux colonies. Je sais pas encore où on va les placer, mais on se les achète. Ah, j'en ai trois résultats. Ah ouais, j'ai trois colonies. Ok, d'accord. On va pas vraiment s'étendre, on va vraiment se mettre dans le secteur. On va vraiment se mettre dans le secteur. Alors si je me mets, est-ce que si je me mets sur une autre, est-ce que je peux me permettre de faire ça? Genre il y a un terrain ici. Non, parce qu'il y a déjà une espèce intelligente sur le système solaire, donc je peux pas le conquérir. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a par là? Il y a deux T0, donc les T0 on s'en fiche. Ici. Ici c'est habité. Là-bas c'est rien. Là-bas il y a quelque chose. Ah là-bas ça a évolué, tiens. C'était des tribus avant. Donc ici non. On va se mettre là-bas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? D'accord, il n'y a rien. Par là il n'y a rien, c'est que des planètes vierges. Par là il y a apparemment une planète habitable. Ouais, une Terre. Ouais, mais c'est de l'épice orange, ça se vend pas l'épice orange, ça vaut pas le coup. Aucun objet détecté sur cette planète, quelque chose ne tourne pas rond. C'est une embuscade. Ok, donc j'ai pratiquement plus de vie. Oh le prix. Ok, d'accord. Ouais, donc j'ai dit c'est du orange, ça m'intéresse pas. Ok, par là il y a une espèce intelligente. Ça, c'est chez moi. Par là, il y a une espèce intelligente. Ah, ici, qu'est-ce qu'il y a? Du orange. Ici, c'est pas un terrain. Non. Tiens. Ah non, d'accord.
que ça c'est ok. Attends, je retourne là-bas. Que dalle, il y a franchement que dalle. C'est chez nous ça? Ah ouais. Ok, je sais même plus ce qui est à nous, c'est normal. C'était quoi là? Bah y a rien. Par là, rien de folichon non plus. On va bien finir par trouver une perle, hein. Faut trouver là où il y a un T1 avec autre chose que du orange. Là il y a encore un T1 mais du orange. Ok. Je vais pas faire attention à mon énergie. Ok. Ah. Ouais, bah en fait, ça c'est les... Voilà, c'est parce que j'ai de l'épice en stock. Donc je vais m'éloigner et revenir. Voilà. Voilà. Tant pis, je colonise les alentours. Ouais, mais ça ne m'a rien colonisé pour coloniser, ça sert à rien. Oui, ben, Phi Beta, de toute façon, je l'abandonne, cette planète. Alors... Ah, ici il y a quelque chose d'intéressant. Ici il y a quelque chose d'intéressant. Un T3. Oh, tu me... Tu... Non, tu déconnes. Bon ben... Oh, c'est... C'est assez intéressant comme, comme map. On va se mettre là. On va la poser là, la colonie. Allez. Ok. Bon, même topo.
Ok, alors, voyons un petit peu ce que l'on a. Mettre une maison ici. On va mettre une usine ici. Et donc une maison là. Une maison là. Ensuite, on va mettre un complexe ici avec une maison ici. Ok, on va remettre une usine ici avec une maison là et une maison. Ok, et on va finir par une autre usine ici avec une maison ici. Et toutes les toiles sont mises. Ou pas. On a une super T3 ici, moi je serais d'avis à mettre une deuxième colonie là. Je pense qu'on peut exploiter encore mieux comme ça. Apparemment, faut que je me rapproche pour lire le message. Donc, on va se rapprocher. Bon, il commence à me saouler. Hein. Donc là, je suis chez moi, c'est ça? Non, je suis chez un allié. Bon. Faut que je regarde au niveau de mes... Attendez, je n'ai plus aucun... Non, attendez, vous charriez là. Ah non, je n'ai plus aucun... D'accord. Donc il faut... Voyageur régulier, ok d'accord. Faut juste que je refasse mes... Mes... Ok. Diplomatie... Putain, j'ai plus rien. J'ai plus une thune, quoi. J'ai plus de thunes. Putain, c'est pas vrai. Ah. Yeah.
c'est pas vrai ça. Bon ben, je viens de claquer 100 000 pour rien. Je vais voir avec d'autres. Prenons l'argent quand même, putain. Bon, je pense que ça va être les prochains, eux. C'est qui nous attaque? Ok. Donc ça, c'est bon. Ouais, la planète est dévastée ici. Boum. Ok. C'est laquelle leur planète mère? Ça doit être celle-là. Pas celle-là. Bon, alors avec eux, apparemment, on n'arrive pas à refaire des axes commerciaux. On va voir plutôt chez quelqu'un d'autre. Avec eux, ça a l'air de bien se passer. On va aller voir donc chez les bleus clairs. On va aller voir là-bas. On va essayer de prendre ces trois planètes là. Ok. Donc ça c'est bon. Attendez, un instant. Voilà, excusez-moi. Alors, ici,
même topo. Donc là, l'axe commercial pareil, et il reste celle-là. Donc on peut laisser que trois axes commerciaux simultanés d'ouvert. Ok, on peut avoir trois alliés, mais le problème c'est qu'on est allié avec personne. Il me semblait qu'on pouvait prendre des vaisseaux à nous. Ok, donc ça je peux pas ouvrir de diplomatie avec mon propre peuple. Non, donc je peux pas demander mes propres vaisseaux. Je suis obligé de demander des vaisseaux aux autres. Bon, pour le moment j'ai des axes commerciaux qui se font. C'est chiant, c'est que j'ai pas le... Ah d'accord, ok, c'est bon, j'ai trouvé leur planète principale à eux. Elle est là. C'est pas vrai ça. Bordel pour arriver à leur planète. Bon, on va essayer. Merci, mais pour nous, vous êtes déjà un super spatiopote. Ouais. Bon, ok, on peut plus compter sur eux. Depuis qu'on a racheté leur planète, on peut plus compter sur eux. Mais merde. Bon. Bah écoutez, moi je m'arrête là. De toute façon, mon disque dur apparemment va être encore plein. Donc je vous dis ben, à l'épisode suivant. Je sais pas combien ça sera. Mais on va peut-être partir à l'aventure. Ah, ouais, je suis sur le T3. J'ai conquéri. Problème, c'est qu'ici, c'est assez sensible parce qu'il y a des alliances et ça fait un peu nœud de. Ça forme un sacré nœud, en fait. Mais j'ai l'impression même qu'on n'est pas l'espèce dominante. Hein.
Bon, je vais refaire le tour de mes colonies. Parce que ça rapporte un max. Donc je commence par une extrémité, puis je vais jusqu'à l'autre. Bon, l'empire singe, je sais ce qu'ils veulent. On commence à comprendre. Je vide un peu mon stuff. Donc ça, ok. Ici ça produit rien, donc m'a pas besoin que je m'y arrête. Les pigeons, franchement, si je trouve un allié où je peux vendre ça... Ok. Oula, j'ai presque plus d'énergie. Pour finir le T3 là qui est bien là, voilà. Ok. Bon, on va retourner déjà sur notre planète mère et après on verra auprès de nos alliés ce qu'on peut vendre. Ok. Quoique non, on va pas vendre là. On va vendre ici. Pour essayer d'améliorer les relations, à mon avis, c'est ce qu'il faut faire. Ah bah non, ils veulent pas. Bon, bah on va voir avec. On va voir pour essayer de maximiser les relations avec les bleus clairs. On peut acheter un système solaire.
pas mal ça. Bon, pour le moment ça rend pas mal. Alors, c'était près d'une colonie, je crois que ça se vendait bien. Ou c'était chez eux, je crois. Ouais, mais eux, je crois qu'ils veulent plus commercer, c'est ça? C'est auprès de cette colonie là-bas, je crois. C'est ça. Donc, juste ravitaillement. Et j'ai juste deux épices vertes, mais ok. Ouais, non, ça va pas. Allez, hop. Ok. C'est quoi ça? Vous permet de traverser un trou noir sans aucun dégât. Oh, pas mal ça. Bouclier, protège votre secours pendant quelques instants. Ouais. Ça, je vais acheter. Oh, puis c'est une arme. Ça veut dire que c'est illimité après. Oh, c'est cool. Bah, ça aussi, je suppose. Autant que je l'achète, je pense. Ah non. Ça, c'était pour les colonies, je m'en doutais. Je sais pas pourquoi je m'en doutais un peu. Et la bombe, je suppose que c'est pareil, c'est pas... J'essaye. Ah non, c'est une arme, et c'est utilisable à 100%. Ok, nickel. Donc, on va retourner voir nos amis d'ici. Donc améliore les relations avec l'espèce qui habite la planète. Pouvoir du lolcat. Attendez un instant. Donc je vais devoir m'arrêter. De toute façon mon disque dur est presque plein. Oui, les relations se sont améliorées. Thank you.
Oh putain. Ok. Donc c'est des enfoirés. Bon, j'utilisais 45 000 sur eux et pour que dalle. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce que ça marche par contre pour le commercial? Est-ce qu'on peut jouer là-dessus avec le commercial? Ça serait sympa. On va le voir tout de suite, hein, de toute façon. J'ai l'impression que ça joue un peu son rôle. Ok. Donc apparemment, pour améliorer avec les oranges, il faut absolument compléter la mission. Hein. Apparemment, il n'y a pas d'autre moyen. Donc la mission, c'est celle qui est là, hein, c'est ça? Bon, je reverrai bien sur les vidéos de toute façon, lors du montage. Bon allez, ce coup-ci c'est la bonne, je vous dis à bientôt.